Et hey yo tout le monde, c'est Mathéo, et oui, je vous vois arriver à des kilomètres, qu'est-ce qu'il fout sur FIFA? Eh ben déjà, c'est parce que, à part Transformers, j'avais plus trop d'idées de vidéos, à part les 2-3 trucs récents auxquels je me suis essayé. Et puis honnêtement, j'ai envie de te dire, pourquoi pas, et comme j'avais pas trop d'autres idées, hein, je me suis dit, vas-y, je vais regarder sur YouTube qu'est-ce qu'il y a, et je suis tombé vite sur un truc de FIFA 2022, donc étant donné que moi, j'ai pas le FIFA 2022, je me suis dit, pourquoi pas faire un peu de FIFA 2020. Et du coup, on va faire une carrière en mode joueur. Alors, ça faisait ultra longtemps que j'ai joué, donc du coup, le continuer carrière, c'est une carrière qui n'existe juste pas. Parce que du coup, j'ai supprimé toutes les données. Donc du coup, carrière de joueur, téléchargement des dernières mises à jour pour les équipes, hein, parce que 2002, ça doit être FIFA 2020, ça reste du coup à jour à propos des équipes. Hein. Du coup, vous vous doutez bien que le PSG va avoir des joueurs qui vont être déments. Du coup, je pense que, étant donné les statistiques du joueur, je pense que le mieux c'est de commencer en Ligue 2 avec Ajaccio. Durée, période, devise, équipe les plus récentes, période de transfert, compétition européenne, difficulté match. Ouais, honnêtement, je découvre FIFA, hein, très clairement. Et créer votre pro. Par contre, je comprendrai jamais pourquoi est-ce qu'ils ont mis le truc. C'est quoi là? C'est le prénom, ok. Bon, comme vous vous en doutez, hein, Mathéo, parce que à chaque fois, je dis mon prénom à chaque fois. Hein. Bon, par contre, pour l'écriture, ça peut en surprendre quelques-uns, parce que c'est pas commun du tout, l'écriture. Et Courto, je pense que le fait que la chaîne s'appelle Le Bazar de Courto, c'est assez explicite. Allez, hop, bim, bam, boum, on s'enchaîne ça. Surnom, vous allez pas besoin de le savoir. Non en commentaire. Ah oui, c'est vrai. Pitié, dites-moi que dans FIFA 2020, il y a Mathéo comme nom. Mathieu dit. Attendez, vous êtes sérieux? Mais si. Faudrait peut-être pas déconner non plus. Mais c'est quoi ça? Il est où Mathéo? Il me pète les couilles, yak. Je vais voir s'il n'y a pas un truc qui ressemble de près ou de loin à Courto. Coro. Je ne ferai pas de blague. J'ai envie d'en faire une, mais je ne ferai pas de blague. Écoute, hein, je vais aller chercher dans la lettre S, comme mon deuxième prénom c'est Stéphane, donc on va voir. C'est Stéphane ou Stéphane? Non, c'est. Je me rappelle plus. Quel plaisir! On va écouter, hein. Étant donné qu'il n'y a pas de Saint-Mathéo, mais qu'il y a une Saint-Mathieu et que je la considère comme ma fête, hein, écoutez, on va partir sur un bon vieux Mathieu. Je vais augmenter un peu le son. Mathieu. Ok. Numéro. J'y vais. Nationalité France. Année naissance 1997. C'est tellement pas vrai, mais bon. Je vais vous donner au moins ma date d'anniversaire. Hein, c'est gratuit. Comme ça, si vous voulez pas me souhaiter bon anniversaire, ça ira. Cheveux. Alors, déjà un petit peu plus long, s'il vous plaît. Je suis pas séché le coiffeur. Hein. J'ai plus rien du gars avec les cheveux bien longs non plus, mais bon. Celui-là, ça me ressemble quand même le mieux. Couleur cheveux, je me demande s'il n'y a pas moyen. Ah, les yeux bleus, les yeux verts et les yeux... Attends, on pourrait les avoir que plus tard. Bon, du coup, je vais rester sur ma vraie couleur. Pilosité rasée de près, merci. Je suis en train de tâter ma barbe, histoire de voir. Mais non, là, on se rapproche quand même plus de... Voilà, on se rapproche plus de... On se met plus à ce niveau-là. La couleur des yeux, parce que les yeux pour l'instant ça va. Il n'y a pas trop à changer. Alors, poste attaquant, gardien, défenseur, milieu. Style de jeu pivot, créateur, finisseur, conduite de balle, centre.
En vrai, en pivot, je tire comme un énorme bourrin. Finisseur, voilà. En vrai, pivot, ça peut me permettre de créer un bon, une bonne synergie offensive. Hors taille, je suis quand même assez grand. Mais je me suis rendu compte récemment que je faisais 183 cm. Voilà. Pied fort. Je suis plus fort au pied droit. C'est, je suis gaucher, mais alors pour tirer, je suis vraiment excellent avec le pied droit. AC Ajaccio, Matteo Courtois est le dernier le plus talentueux des nouveaux arrivants dans le club cette année. Alors que tous les yeux sont braqués pour lui, chacun se demande si ce joueur, un attaquant de 21 ans, j'en ai 17, hein, saura répondre aux attentes placées en lui. Ok. Les guides de compétition amicale de l'intersaison. Ok. Bon, par contre, je me rappelle. Si j'ai quand même une bonne mémoire, je me rappelle que généralement je me fais rapidement virer, hein, généralement, dans le sens où je pars rapidement prêt dans un autre pays. Alors, objectif en championnat. Une note moyenne de match de 6,5, 5 passes décisives pour l'équipe, 10 buts par 10 buts cette saison et un ratio de tir de 10 buts. Ok. Pas de soucis, j'ai un général de 66 comme on peut le voir. Alors cet email-là, je vais le garder, hein. Généralement je les supprime rapidement, mais celui-là. Oh. Objectif à venir, je veux que tu marques un but et un tir, ratio de tir de 10%. Donc autrement dit, il faudra que je mette un but tous les 5 tirs. Entraînement, alors ouais, histoire de m'améliorer un petit peu. Les dribbles précis, les dans le saut et contrôle, bah vas-y, dribble. En défense, tacle glissé et tacle debout. Hein. Je vais plutôt aller sur les tacles moyens. Ces trucs-là, je laisse l'ordinateur le faire, hein, généralement, parce que du coup, bah voilà. Je laisse l'ordinateur le faire, hein, sauf rare exception. Merde. J'appuie sur B depuis tout à l'heure. Coup de pied arrêté, penalty, coup franc roulé, base des coups francs et coup franc assisté. Bah vas-y, allez hop. Allez, est-ce que mon perso va se planter ou. Ça va. J'ai les tacles, je suis pas défenseur donc c'est un peu normal pour le dé, mais sinon ça va, j'ai quand même une note assez moyenne. Et je suis bientôt au 67. Allez, un match amical qui va arriver. Je t'ai retenu dans l'équipe d'aujourd'hui. Ok, merci monsieur l'entraîneur. Niveau info, qu'est-ce qu'on a? On a. Ça, je m'en fous. Alors, Courtois, déjà. Alors, la nouvelle recrue arrive. Saura répondre aux attentes passées en lui. Je suis convaincu que Matteo Alta, pour s'imposer dans l'équipe, a voué manager assez Ajaccio. Cela dépendra surtout de sa capacité à s'entendre avec les autres joueurs. C'est un truc que je devrais pas dire. Mais j'adore foutre la merde, par contre. Je suis toujours le premier à balancer une petite épine, hein. Et honnêtement, quand je ferai une vidéo Fortnite avec Shiro, Nicolas et Seyan, c'est vous allez très vite vous rendre compte que Seyan et moi, c'est pic sur pic. J'attends de Matteo qui apporte de la fougue dans le groupe. Cette fougue qui manque peut-être depuis quelques temps à certains de nos joueurs, a précisé manager. Son talent et son enthousiasme sont évidents. Interrogé pour donner son opinion, Courtois ne s'est pas fait l'écho des éloges de son entraîneur. Je ferai de mon mieux, mais il est encore trop tôt pour me comparer à un grand joueur de cette équipe. Mais je pense être en mesure d'apporter quelque chose. Attends. 2 petites secondes. Forme du joueur, ok. Rapport équipe. Rapport équipe. Ouais, j'ai quand même un bon général de 66, hein, n'empêche. Hein, les tops. Non, je ne veux pas quitter. Les tops de l'équipe, hein, c'est quand même du 71. Donc je suis pas non plus bien loin. Allez, jouer match. Persona, AC Ajaccio. On peut choisir le maillot, bah écoutez, on est à domicile. Gardien argent. Mais j'en ai rien à branler d'être gardien. Tellement loin. La petite pub, vous êtes sérieux?
pied, c'est très équilibré. On en effet s'attendre à un match très équilibré. L'équipe qui marquera le premier aura probablement fait le plus dur, c'est clair. Il y a Greg Farina, qui bien sûr le stade de l'Ajax, qui auparavant jouait dans le stade olympique, le vieux stade olympique, tu as dû connaître, Pierre. Ok, tout le monde est en train de se préparer visiblement. Je me rappelle plus quel numéro je suis. Ok, alors en plaçant, on a des. Ok, donc la composition c'est comme ça. Je suis en avant numéro 17 avec Courté. Il y a Diallo, il y a Kalulu, il y a UR Davinel derrière. C'est du 4-2-2. Ok. 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 Ok, c'est B la passe et c'est A pour tirer. Oh, c'était pas ouf ça. Mais c'est quoi ça? Mais. Oh, ce tir de merde! Je sais plus c'est lequel. Ok. C'est A le tacle debout et c'est B le tacle le glisser. Ok. Oh, pff. Oh, j'ai pas géré là, j'ai pas géré du tout. Ok. Ok, il part là-bas. Ça sent pas bon pour nous, ça. Oh là là. Oh mon gars. Envoyez mal ballon, envoyez-le à l'avant. Ok. Oh, c'était naze. Je suis pas défenseur, donc je reste quand même à ta place. Allez hop, on y va. Oh, bien ouais, je. Oh, pff, oh, c'était naze. Oh, je me suis ramassé comme une merde. Oh putain, mon gars. Ah, oh, j'ai aucun angle de tir, mais j'ai quand même réussi à tirer entre tout le monde. Oh, j'avais aucun angle de tir, mais j'ai quand même réussi à tirer au milieu de tout le monde. Je suis ouvert. Mais. Voilà, bien cette interception. Je ne vais pas juger cette passe médiocre. Non mais. Peu importe. Oh voilà. Le centre. Allez hop. Ça rentre. Allez, premier but pour le nouveau joueur qui marque le premier but de sa saison. Et le premier but du match. Oh, t'as sauté un petit peu trop là pour essayer de la rattraper, mon gars. Allez, premier but après. Vas-y, tu m'envoies. Le 1-2 et c'est le deuxième but du joueur français après 3 minutes de reprise. Non mais le gars c'est chip, il a plongé sur place. Bon, pas sur place non plus, mais bon, c'était magnifique. Hop, je t'emprunte ça mon gars. Hop, hop, hop. À toi mon gars. Hop. À toi. Ah, presque. Ah, c'est pas grave, on a quand même un 2-0, la première mi-temps n'est pas encore passée. En plus, j'ai encore une vidéo Transformers sur le chapitre 5 à monter, moi, à côté. Enfin, là, je parle de sur le moment, hein. Je pense que la vidéo Transformers sortira avant. Ok, bonne passe. Allez, hop. Vas-y, mon gars. Il est pour toi. Oh, le gardien qui le bloque. Oh, c'est dommage. Oh, le gars, il a tapé son meilleur. Le gars a fait le dodge smash de Falco, en fait. Ok, c'est pour qui? Bah, c'est pas pour moi, parce que j'ai pas...
Contrairement à d'autres joueurs de foot, là mon perso il est quand même assez petit, hein, comparé au 1m90 que certains joueurs peuvent avoir. Oh, excuse-moi mon gars. Ok, allez, on commence à reculer. Oh, joli! Attends, mais... Ouais, nous on est les blancs, on n'est pas les rayés noirs. Et mon gars! Oh, le... Oh oui! Oh, malgré la parade du joueur! Oh, malgré la parade du joueur! Oh, c'était splendide, mon gars! Et c'est un triplé du joueur français! Un triplé! Attendez. Oh, oh, c'était un petit peu... Oh, attends, attends, je veux voir ça. Caméra T. Merde. Alors, hop. Je veux qu'on revoie ce moment. Attendez, est-ce que c'est vraiment... C'est passé en petit pont. C'est vraiment passé en petit pont. Splendide, mon gars. Allez, 3 buts durant la première mi-temps. Et je précise, hein, je vais monter la difficulté un petit peu. C'est là juste histoire de m'en faire aux commandes. Je vais éviter de faire une faute. Hein. Ce serait con de se prendre un carton avant la première mi-temps. Surtout si c'est pour prendre un carton rouge qui me dégagerait d'un match. Bien, wesh, bien, wesh. Allez. Ok, ça part loin. Oh, notre équipe est assez petite au niveau des têtes. Hop là. Le centre. Oh, presque. Presque. Mais qu'est-ce que tu branles, mon gars? T'es derrière le gardien, c'est pas autorisé ça. Hop. Allez, mi-temps, c'est pas grave. Un triplé du joueur français durant la première mi-temps, 24, 27 et 42e minute. Une première période bien négociée. Bien négociée, là mon gars, j'ai fait un carnage. Premier match, carnage. Merde, mauvais bouton. Hop là, paramètres. Paramètres de jeu, je vais... Erreur dans les frappes et erreur dans les passes, tu m'étonnes. M'étonne, je sais pas pourquoi les paramètres étaient comme ça, c'est peut-être parce que j'étais un gros noob avant. Bon, là ça devrait un petit peu mieux passer. Niveau gardien, tu m'étonnes. Mauvais contrôle, il y a bon, ok, c'est bon. Je sais pas pourquoi c'était comme ça, j'ai vraiment joué comme un noob auparavant. Je peux demander un remplacement et simuler la fin du match. Bah écoutez, hein. C'est sauf si vraiment c'est plié. Ok, pour les autres matchs, on a le MT Chivari et le Ado Lahai qui sont ex aequo. Le MTFC Lursen qui met un but au Piast Glivis. Ouais. Et le MTFC Twente qui met un 2-0 au FC Emmen. Allez, on enchaîne. Ok, j'ai une note de 8,5 pour l'instant, c'est marqué à côté de mon joueur. Ok. Ouais, ça se voit que là, ils sont tout de suite un peu meilleurs. Est-ce que quelqu'un pourrait reprendre le ballon, s'il vous plaît? Non, je suis pas défenseur, c'est pas mon rôle. Merci. Allez, envoie-moi ça, toi. Oh putain, c'était naze. Oh, c'était nul. Oh, c'était de la grosse merde ce que je viens de faire. Eh, faut me comprendre, mon perso il est fatigué, il a plus que la moitié de la barre d'endurance. Oh, c'est... Ça aurait été beau si notre joueur était parti le récupérer à la base. Allez les gars, faites un effort là. Merci. Ok, impec. Ok, allez, j'y retourne. Pan. Ouais, là, voilà, là, c'est déjà mieux. Là, c'est mieux. Faut que je fasse gaffe à pas trop crever mon personnage non plus, parce que là, mon perso, il commence à fatiguer un peu, si vous voyez là-bas. Ouais, excellente interception, bien joué.
Merde, mais j'ai appuyé sur le bouton de tir. J'ai appuyé sur le bouton de tir. Et finalement, il récupère ce ballon. Il s'est bien battu, ça paye. Et le ballon, ah non, c'était le bouton de passe que j'avais vraiment. Je suis perdu. Pourquoi est-ce que mon perso a fait un tir alors que j'ai appuyé sur le bouton de passe? Permettez les gars, moi je me repose un peu. Ok, vas-y. Vas-y mon gars, c'est ton moment, c'est ton moment, je suis là. Ah bah écoutez, hein, je voulais pas faire un quadruplé, mais bon. Je voulais pas faire un quadruplé, mais bon, écoutez, hein, on passe la balle pour mettre un but. Je prends. Hein. Bon, à ce point-là, hein. Autant faire ça. Autant faire ça. Ok, bah du coup, 4-0, hein, homme du match, penalty plus 1, homme du match. Positionnement offensif plus 1 en homme du match, vista plus 1, mes statistiques qui montent en. Mes statistiques qui s'envolent, reprise de volée plus simple du match, maillot non plissé, 1, faire ses débuts, triplé pour la finition plus 1, positionnement offensif, 5 occasions créées, monstrueux. Alors, Courtois marque 4 buts contre Cosenza, et le héros du match après ses 4 buts passés à l'adversaire. Ah ouais, là c'était ridicule. Coupe Euro International, malgré une affiche équilibrée, les vainqueurs AC Ajaccio ont finalement triomphé de leurs adversaires Cosenza au terme d'un match tendu conclu sur le score de 4-0. Lors de la préparation de ce match, l'une des principales attractions restait les possibles débuts de la nouvelle recrue Matteo Courtois. Les supporters du club n'ont pas été déçus et ils ont pu voir évoluer le petit nouveau. Désireux de ne pas décevoir ses nouveaux supporters, Matteo Courtois a signé une performance exceptionnelle avec notamment une prestation offensive remarquable qui lui a permis de et ses premiers buts sous son nouveau maillot. C'est marqué son. Peu de joueurs peuvent impressionner les supporters comme l'a fait Matteo Courtois. Manager n'a pu que le reconnaître en voyant que demander de plus. Il a envie de jouer et il l'a démontré aujourd'hui. C'est un atout pour le club. Je suis sûr que nos supporters et que tous les amateurs de football sauront reconnaître ses qualités. Bah écoutez, hein. Écoutez, pour l'instant, j'ai envie de dire, c'est pas mal du tout, hein. Pour l'instant, c'est les premiers trucs. Pour l'instant, c'est que les matchs de début de saison. Hein. Donc, c'est pas des gros matchs non plus. Je suis en train de regarder si je peux pas changer un truc. Ah, je pouvais changer le maillot. Oh, je peux avoir des gants, tout bien. Ah, on peut pas changer la couleur des gants, zut. Hauteur chaussette. Ah, personnalité. Je veux bien changer ça. Style coup franc. Ok. Main sur les hanches. Profonde respiration, technique, samba, pied écarté. Ouais, allez, vas-y, on va partir sur celui-là. Style penalty, défaut, droit comme un i, profonde respiration, main sur les hanches, tête baissée, pied écarté, pied peu écarté, pied décalé, pied écarté, bras baissés, relax. Vas-y. Ma boule. Take that out, you idiot. Ça me fait tellement penser à ça. Bras levés, ouais, bah, allez, on va partir sur celui-là. Geste signature. C'est juste un coup à se péter le dos, ça, pour avoir testé. Ça aussi, pour avoir testé, c'est juste un coup à s'érafler. Qu'est-ce que je suis en train de voir?
violoniste. Est-ce que je viens vraiment d'abbé? Attends, quoi? Bon. Mais n'importe quoi. Morsure à la main. Non, merci. Glissade sur les genoux. Qui c'est le plus fort? Pointer les cuisses. Ouais, c'est mon numéro. Glisser sur les genoux et assis. Et paf. Brille, joueur Achille ou roue. Oh putain, mon gars. Il y a... Eh ouais, je suis une chèvre, je vous ai bien bu, bande de tocards. La tête dans le coude, c'est un dab en fait. Non, merci. Voilà, quand je dis que c'est un coup assez raflé, c'est parce que c'est exactement ça qui mérite. Arrivé. Glissade glamour. Ça va la genèse? Breakdance. Sérieusement, qui a eu l'idée de faire ça? Oh mon gars, c'est tellement dangereux de faire ça. Bercer, non mais là c'est en fait c'est j'ai un sabre laser dans les mains, c'est pas je berce, c'est j'ai un sabre laser. Oh putain, ça doit faire tellement mal. Est-ce qu'il essaye d'imiter le up tilt de Sonic là ou... En vrai, patin à glace, ça me fait vraiment penser à Shadow, mais bon. J'ai une petite anecdote avec les pompes. J'ai fait une partie avec Nicolas et Seyam. On a fait plusieurs parties. Et à chaque kill qu'on faisait, on devait faire des pompes. À chaque partie, je faisais 10, entre 10 et 12 kills. Sauf celle où on mourait dès le début, mais bon, c'était ridicule. Je vous jure, je suis devenu bodybuilder avec ça. En vrai, j'ai envie de... Rien pour le style. Voilà. Là où. Ok. Du coup, on en était où? J'en suis à... Boîte mail, c'est bon. Mes actions, ma carrière, paramètres. Bah écoutez, pour l'instant, c'est pas mal du tout. Hein. Pour AC Ajaccio, on a 3 points dans ce petit tournoi de début de saison. On a nos 3 premiers points. Et je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Bref, ce sera tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement. J'ai regardé les graphiques. 86% des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnées. Donc si vous pouviez vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et ça me permettrait de voir votre soutien. Et en attendant la prochaine, moi je vous dis à plus.